le temps des gabariers qui descendaient au fil de la Dordogne sur leur bateau qu'ils conduisaient du haut pays jusqu'en basse Gascogne. Le beau voyage en vérité entre les bois dans les gorges profondes, le beau voyage au fil de l'onde, au temps des gabariers. En ce temps-là, notre belle rivière coulait gaiement sous les ponts de chez nous. On aimait voir folâtrer en eau claire reflets d'argent dansant sur les cailloux. Je me souviens, on chargeait les gabarres à Spantour au pied de notre maison. Les fiers lurons en larguant les amarres nous quittaient en chanson. Que l'eau était marchande, le moment était venu de partir. Il quittait Jacques, Marie ou Fernande, mais quand on part, c'est pour mieux revenir. Les échalas chargés sur les gabarres, ils s'en allaient au fil des hautes eaux. Pendant 3 jours et sans lâcher la barre, il voguait vers Bordeaux. C'était le temps des gabariers qui descendaient au fil de la Dordogne sur leur bateau qu'ils conduisaient du haut pays jusqu'en basse Gascogne. Le beau voyage en vérité entre les bois dans les gorges profondes, le beau voyage au fil de l'onde, au temps des gabariers. Le beau voyage au fil de l'onde, au temps des gabariers.